Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro, numéro automnal, l'automne, saison où les journées raccourcissent et où il fait bon se retrouver au chaud, autour d'un verre entre amis. Justement ce que je suis venue faire aujourd'hui, puisque je teste pour vous le pub anglais, le King Henry, rue Bourmaillou à Morlaz, dont vous aviez déjà entendu parler dans mes précédentes vidéos, et où j'ai retrouvé Michel et Franck. Michel, est-ce que tu peux nous présenter ton pub, le King Henry ? Le King Henry, l'établissement dans lequel vous vous trouvez, c'est donc effectivement un pub ou un endroit que j'ai voulu comme tel, dans lequel je propose aux gens du vin, de la bière, des whisky et des rhums. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce que j'aime essentiellement, en fait, c'est proposer des produits qui me plaisent. C'est un peu égoïste. Les proposer du mieux que je peux, tel que j'aurais aimé qu'on me les propose ou que j'aime qu'on me les propose à d'autres personnes. Et né de là, des échanges et des moments très conviviaux qui me nourrissent et des moments d'amitié qui me font énormément plaisir, en fait. Qui, selon toi, fait le charme et l'identité de ce pub? Vraiment, c'est un échange, c'est-à-dire que les gens ils viennent passer un moment de détente, ils sont à l'aise, ils sont détendus, nous pareil. Donc finalement, ça a créé des bonnes ondes positives autour de ça et les gens reviennent ou pas, on a des gens nouveaux, on a des habitués et voilà, toute cette petite ambiance dans un petit village fait que ça prend, voilà. Que j'aime dans les pubs anglais, essentiellement, mais pas que dans les pubs anglais, c'est le décor et les produits dont on sert et qu'on propose aux différentes personnes. Alors toi justement, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de travailler ici ? Voir les gens heureux, partager leur bonheur quelque part et leur moment de détente, ça me fait très plaisir. Voilà. Je pense que j'essaie d'être attentive aux gens, au maximum individualiser le soin que j'apporte aux gens et la qualité de service que je donne à chacun. Il n'y a pas de généralité, tous les gens sont différents, donc j'essaie de les prendre comme ils sont et de composer avec. Voilà. Alors, pourquoi as-tu choisi ce nom? Pourquoi as-tu voulu appeler ton pub le King Henry? Le King Henry, en fait, je voulais, du fait que j'aime bien les pubs anglais, je voulais un nom à consonance un peu anglaise, mais quand même en le rattachant à la région et au Béarn, donc sous forme de boutade. J'ai appelé un nom relativement courant des pubs anglais, en rattachant avec le roi Henri, notre bon roi Henri IV. Comment ne pas tomber sous le charme du King Henry? Plus qu'un pub, c'est un voyage dans l'univers anglo-saxon qui vous est proposé à deux pas de chez vous. Allez donc y passer un moment, entre amis, quand il fait froid dehors, pour savourer cette ambiance unique, chaleureuse, et déguster les dernières trouvailles de Michel. J'espère que cette émission vous aura plu. Merci beaucoup encore à Michel et à France, et à très bientôt pour un nouveau numéro.